une recette de cuisse de caille confite. Alors, c'est très simple, c'est juste un petit peu de temps et quelques étapes bien précises. Alors, c'est parti. Pas mal de cuisses de caille. On les manchonne un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on les coupe légèrement en dessous de la, du haut de cuisse. Le couteau bien positionné avec le plat de la main. Comme ça, ça va se rétracter après cuisson et ça fera un aspect vraiment très joli. Allez, hop. Alors là, tu les jettes dans un plat sur le côté. Je les jette carrément. Hein. Vas-y. Allez, manchonne. Voilà, c'est manchonné. Alors maintenant, Damien, tout simple. C'est une viande, alors on va les assaisonner. Comme une viande. Comme une viande, un peu de sel. Alors, il y a une deuxième technique. On va ajouter un peu de poivre. Alors ça, c'est une technique vraiment plus moderne du confit, c'est-à-dire qu'on met juste le poids du sel, comme ça, on n'aura pas besoin de le rincer après, d'accord? Parce que moi, ma grand-mère, elle mettait des couches de sel, et après, on rinçait abondamment les cuisses. Là, on met juste ce qu'il faut, ça permet de ne pas gaspiller le sel, et voilà, tout va bien. Ça, on va le filmer, et on va l'oublier facilement une heure dans le réfrigérateur. Pour confire les cuisses de caille, un petit peu de gras. Alors nous, simplement, là, ici, on a de l'huile, mais il va falloir vraiment parfumer l'huile, Damien. Alors, de l'huile, une huile neutre, vous pouvez aussi faire ça sans problème avec une huile d'olive. Ouais, ou alors, vous pouvez même mettre de la graisse de canard. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans l'huile qu'on va faire chauffer tout doucement. Alors là, ce qui est très important, c'est la température. On ne dépasse pas 90 degrés. Dans l'huile, on va mettre quelques fragments de laurier, du thym tout frais. De mon jardin, c'est important. Sinon, la recette n'aura pas le même goût. Moi, je vais rajouter de l'ail en chemise que j'éclate légèrement avec le plat d'un couteau. Voilà. Alors, tout simplement en chemise, on laisse la peau, on laisse tout. On va juste mettre dans l'huile et ça va parfumer l'huile. Ça va vraiment donner du goût. On y va, hein. 5 belles gousses d'ail. Ça va vraiment être très gourmand, vous allez voir. On va laisser infuser 5 petites minutes parce que ça va vraiment continuer à parfumer pendant la cuisson des cuisses. C'est bon, ça va vraiment sentir bon. Nos cuisses sont restées une bonne heure au frais, donc elles ont commencé à relâcher un petit peu de jus. Là, on va les prendre. Alors, on les rince pas, hein. On les essuie pas, on les prend tout simplement. Parce qu'on a mis juste la quantité de sel nécessaire. Il faut les recouvrir d'huile, mais il n'y a pas besoin de mettre 10 cm d'huile au-dessus. Il faut juste que la viande soit bien immergée. Il faut que ça frémisse comme ça quand on les met. Hein. Cuisson, Christophe? Là, on est une heure, mais voire jusqu'à 2 heures de cuisson. En fait, il faut que la caille soit très, très tendre. Et ça se voit facilement parce que l'os s'enlève tout seul. Et surtout, à frémissement, on y va tranquille, sans couvercle, tout va bien. C'est parti.